Une jante avec le pneu, voilà, et après, plus loin, tu avais la jante avec le pneu. Alors, je te demandais, mais il est où ce gars avec sa jante? Démarre 73e de ce général et 8e de la catégorie A8. Allez, venez le retrouver, descendant dans la salle de voiture. Ça. Ah oui, elle ne démarre plus. Bon, alors on va la maintenir en fonctionnement. C'était comment, malgré une voiture qui ne démarre plus? Bon, c'était très bien. Bon, déjà de partir en rallye 2, c'est super, parce que nous, c'est mes premières rallyes. J'ai fait plus de 200 rallyes Ascent. C'est mon premier rallye, donc premier avec cette voiture-là. On a fait des bons temps à la fin, mais c'était bien. Ça vous donne envie d'y revenir? Oui, on va revenir, c'est sûr. Et avec grand, grand plaisir. On vous raccompagne donc pour l'immobiliser une dernière fois. En fin de carrière, terreuse. Non pas rallystique, mais terreuse. Merci à vous, Jérôme et Sandrine. À la prochaine. Derrière les R2J que nous allons accueillir avec Quentin Aymar, Romain Guéza, 75e, même si on était parti en nouveau départ, vous remportez le R2J ce soir. Descendez de voiture. Avec cette ancienne voiture, notamment du championnat junior. Allez, Quentin et Romain, le bilan ce soir, quel est-il? Pas si facile. Première journée oubliée, deuxième journée, c'était mieux? Première journée, oubliée, parce qu'on avait. Avec mon frère, on casse tous les deux la même pièce dans la même spéciale. C'était pas terrible. Mais du coup, je remercie énormément toute notre équipe. Parce qu'ils ont bossé jusqu'à 1h du matin pour me remettre les voitures d'aplomb et pour nous permettre de repartir ce matin. Donc vraiment, sans eux, sans toute l'équipe qu'il y a derrière, on ne peut rien faire. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et là, on va vous remettre en garde les prix concernant la catégorie de R2J. Voilà pour vous.